Et vous savez, nous avons traversé des moments difficiles pour la crise post-électorale. Et le gouverneur était un des acteurs clés. Et vous savez, Paul Bocuit, quand il prend le micro et puis veut parler pour poser des questions à ces leaders politiques qui nous ont un tant soit peu fatigués. Il faut le dire, Paul Bocuit prend et puis il dit, mesdames, voici, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons manifester la paix. Moi, je demande au président Gbagbo qui est à Korogo si ça va. Et vous savez, le président Gbagbo est à Korogo, il nous suit. Hein? Il veut qu'il ait la paix dans son pays. Donc on dit, monsieur le président Gbagbo, ça va? Il dit, il y a problème. Et c'est il y a problème. Ça va? Ah! On dit, on veut la paix. Moi-même, c'est la paix que je cherche. Mais comme les choses sont ménagées, ah! Ouattara fait, ça fait quoi? Ok, d'accord, le président Gbagbo dit, il veut la paix. Bon, on va demander au président Ali Conan Bédié qu'elle est née. Qu'est-ce qu'il a dit pour la paix? Et vous savez, le président Bédié, il a une manière unique à lui. Écoutez, j'ai été meurtri, mais je n'ai même pas de haine. Si nous, au RHDP, on a tout fait pour que la Côte d'Ivoire soit où elle est, j'ai demandé à Ouattara, petit, va devant. Aujourd'hui, il est là, ça fait quoi? Mais ce qui m'a intrigué, c'est quand les gens ont chanté des morceaux ambigus. Et y a si gongo, gongo, oui. Là, ça m'a fait mal. Et ils ont chanté des morceaux farfelus. Soukini, Soklo Matassi, Woro Woro Gade. Qui était Woro Woro? Bon, monsieur Nicolas Bidon, là-bas, vous étiez Woro Woro. Est-ce que vous êtes prêt pour la paix? J'ai toujours vécu dans l'ombre du fouet. J'aime la paix. Alors, je demande aux Ivoiriens de vivre la paix, rien que la paix. D'accord. Bon, le président Ali Conan Bédié dit qu'il veut la paix. Bon, on va demander au président Alassane Ouattara si vraiment la paix est de mise. Mais je ne vous dis pas, le président Ouattara a couru derrière le président. Sa démarche, ça se sent. Oh, mais monsieur le président Alassane Ouattara, dites-nous, pour la paix, on fait quoi? Alors, je voudrais vous dire, pour la paix, pour ces 5 ans, nous avons voulu faire les choses au RHDP. Alors, je voudrais vous dire, pour la réconciliation, que tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes se retrouvent ensemble pour ne plus qu'il y ait de divergence. Je voudrais vous dire, pour ces 5 ans, nous allons faire ensemble. Que les Ivoiriens, les Ivoiriennes, arrêtent de chanter Alassane Puissance en main, c'est fini ça. Je suis le président des Ivoiriens. Je ne suis pas le président des Djoula, des Wobé, des Bété, des Gourou. Alors, je vous demande, je vous en conjure, les Bété, Mougoussé les Djoula, Mougoussé Baoulé, la Sainte-Dieuse naîtra, je vous en remercie. Et comme je disais tantôt, ma mère est Baoulé, mais vous connaissez les Baoulé, hein? Quand le président Gbagbo était encore au pouvoir, il aimait bien visiter ses chantiers à Yamsoukro. Il appelle son ami Guy Laberti, il dit, hey, Guy Laberti, viens, allons-y à Yamsoukro, tu vas voir. Et chemin faisant, mes parents Baoulé, ils ont cette habitude de bandit là. Ils arrivent à Pambassou, pour ceux qui connaissent bien Yamsoukro, Pambassou c'est un village qui est resté juste un peu vers la maison des députés. Et puis le blanc lui dit, mais c'est qui ça? Il dit, mais ça c'est un Baoulé, il entend faire bandit. Il dit, ah d'accord. Mais on peut voir, ils arrivent, et puis l'autre qui dit, hé, hey, tu fais quoi? Le bandit, le Baoulé là, hein? Il est concentré. Le président, hé, hey, monsieur, ça va? Il dit, monsieur, y'a qui ongle mon gars, on salue pas comme ça, je fais bandit. Il dit, mais quand on te salue, il faut répondre. Il dit, toi tu es qui? Ongle mon gars, quelqu'un fait son bandit, il salue, si il répond pas, tu vas faire quoi? Il sait pas. Le gars dit, bon, je veux bandit. Il dit, matin, Baoulé, quand il fait bandit, il donne pas l'homme, il attend un peu. Il dit, mais donne-moi, je vais boire, tu sais pas qui te parle. Il dit, mais qui est qui même? Tu parles à qui? C'est à ces gars, sinon, je vais te donner, tu vas, puis il faut quitter. Ah. Ngre Munga, faut pas m'énerver. Le président Gbagbo dit, hé, hey, mon frère, donne-moi un boisson. Il dit, hé, hey, monsieur, c'est Ngre Munga, je te donne le premier boisson, tu as bu.
faut pas dire quoi, je vois ma mise en j'ai saoulé. Et puis il donne, il regarde même pas. Le gars boit. Il dit, mais c'est bon. Il dit, donne deuxième. Le baoulé dit, monsieur, matin bonheur, je t'ai dit, premier bandit, ça saoule. Faut pas, tu as dit quoi, je t'ai saoulé. Fa, de. Il donne le blanc boit, il dit, mais c'est bon ça. Il dit, hein, c'est bon ça, calme, soit bon, moi, pas de peau, mon ami. Le président Babo il dit, hé, hey, tu donnes boisson, tu ne vois pas le visage des gens, c'est moi, Laurent Babo. Il dit, nia, nia. Massacre à soi beau. Je n'ai pas dit tu vas saouler. Premier cop seulement, je t'ai donné, tu es pas beau. Non, tu mens quoi. Deuxième, quand je vais te donner, tu seras Bill Clinton. Troisième, tu as devenu Obama. Faut quitter là, toi tu es qui? Il dit, mais c'est moi Laurent Gbagbo. Il dit, mais c'est toi tu es. Ouh! 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 Là, il a vu Gbagbo là. Oh, qui m'a maudit? Qui m'a nœud? J'ai bête, oh. Moi, quoi, yo, on dit faire plantation, c'est quel yoma? Ces boissons, c'est ça qui m'a rendu fou. L'homme, il vient, je lui suis. Oh, tu es bête, maudit, mal enlevé, chien. Il cherchait l'issue pour fuir. Mais la bagou est derrière. Écoute, on dit, mais tu vas où? Il dit, non, monsieur Javi, là, ce n'est pas l'homme, c'est un génie. C'est un génie. Ah, il a vu un génie. Alors, si ça vous a pas plu, il faut applaudir. Et Carré est là, non? D'accord. On dit, il y a eu un grand concours sur terrain neutre en France entre l'Orchestre Symphonique de Ouaga, l'Orchestre Symphonique du Liban et l'Orchestre Symphonique de Côte d'Ivoire. Waouh! Et le présentateur, Michel Tricœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce grand concours musical de la francophonie regroupe sur ce plateau l'Orchestre Symphonique de Ouaga. Donc chaque chef d'orchestre, quand il vient, il se... Vraiment, Ouaga est là, nous, on va faire bien les musiques là, mauvais, mauvais. Tu veux arriver là, tu demandes, tiens, de Béoro, c'est moi, je vais faire bien celle-là. Alors, si nous arrivons là, l'orchestre là, c'est pour gâter le coin, pour gagner. On dit merci, on applaudit l'Orchestre de Ouaga, applaudissez s'il vous plaît. On vous présente l'Orchestre Symphonique du Liban. Le chef d'orchestre, tu sais qu'il a vendu shawarma à Tréchil pendant 34 ans. Bon, je vais dire là, je vais là. Je vais dire là, son manager dit, français. Et dit, je vous salue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la musique, pour la francophonie, l'Orchestre National du Liban le présente pour vous, la musique, pour le concours. Tout à l'heure, ça va. On vous présente l'Orchestre Symphonique de Côte d'Ivoire. Eh, prenez bon orchestre, on allait prendre Yao Kwaku Michel, seul, avec sa guitare, trois cordes. Lui n'a pas musicien. Il est arrivé, c'est mollé, on dirait Nyan Kona. Quand il est arrivé, il y a un niveau mousse, on a dit, hey, mais on le fait en français. Ben, c'est une émission francophone, c'est un concours francophone, on parle en français. Et le thème, pour départir les groupes, il fallait dans ta chanson retrouver J'ai souffert. Donc il vient. Ingani Momu, on dit non. Il dit mesdames, messieurs, on dit voilà. Je vous salue nombreuses, nombreusement nombriales. Cette musique sera musicable. On dit oui, qu'est-ce que tu veux? Nous allons nous chanter, chantable. Et puis il part. Alors, nous allons démarrer ce concours avec l'Orchestre du Liban. Pour la première fois, j'ai vu un orchestre libanais chanter du rap. Le Libanais arrive. Pour toute la musique, nous, le va faire pour nous le rap. Pour les francophonies. Batterie, Shahal Mahmoud. On dit oui, ça, ils vont gâter le coin. Guitare basse, Mahmoud Shahal. Choris. Shahalar Maksou, c'est ça. Et lui-même, il se présente. Votre chanteur principal, Boustani. Il dit, voilà la bédelle. Shawarma est là. Et on attend. Tapez les mains. C'est du rap. Faut chanter, j'ai souffert. Mais la gestion fait que tu séduis les mêmes jurys. Tu cherches quoi? Il a oublié.
Il vient derrière. Tu tiens tout. Son sourire même en digue là, il a oublié tout. Tu tiens tout. Quand il cherche son manager, tu tiens tout. Tu cherches dans un chien. Non. Tu tiens. Son manager dit, sois dans un souci. Tu tiens. Donc pour lui, il va gagner. Même qu'on attend, Shoah de Hill. Shoah de Shoah souffre. Il a hâte de souffrir. Et vous savez, les membres du jury français parlent mal. Il a dépassé les minutes. Le blanc dit, hey, dégage. T'as foutu le bordel, toi. Donc, il dégage. On vous présente pour le deuxième concurrent, l'orchestre symphonique de Ouaga. Ah non, mais respectez l'orchestre burkinabé. J'ai dit, le chef d'orchestre est là pour ça. Il dit, vraiment là, nous n'est pas venus s'amuser, c'est pour farper les musiques. Anthony, Kim Chambé Paul, Guy Carbas, Sawadogo Kim Chamba, c'est un boum. Solo, Kabore Paul, c'est un boum. Chorus là, il dit chorus numéro 1. Awa Kim Chambé, c'est un boum. Chorus numéro 2. Watara Salimata. Maintenant lui-même le chanteur. Eli et moi l'élite, l'île de Bokolo. Tendre beogo, clair. Mais il dit, échauffement de l'orchestre de Ouaga. Il n'a pas commencé. Canava vive, il livre. Il y avait 1600 supporters burkinabé dans la salle. En plein Suisse. Canava vive, il livre. Vraiment, la fait ça, le gars dit non, chante le morceau maintenant. Il dit, c'est l'échauffement de Ouaga. Quand nous regardons le public, là, on mouvait comme ça, on formait cela, c'est ça qui livre. On dit ok. Il est là, il commence. Là, le you, il bloque. Il a oublié. Et il a vu son image sur l'écran géant. Le thème est parti. Il vient en arrière. Il bloque. Son manager dit, oh, souffle. Vierma. Je vais souffler là. Vierma. Le membre du jury dit, ouais, c'était bien le terme vierma, mais vous avez trop souffert sur la scène. Là, c'est bon. Ok. Ouaga à côté. Nous, on pensait que Yao Kwaku Michel allait nous sauver. Oh, Yasua. Maintenant, vous présente la Côte d'Ivoire, Yao Kwaku Michel. Eh, Baoulé, il arrive chaud. Voilà Molé, André Nyam, Jupette, un Cori dessus. Chéché, il portait que de bûches, miroir, tribord à bâbord. La guitare, trois cordes, plusieurs couleurs. Il rentre, il commence en même temps. Yasua, Nyé, ça va chauffer. Les blancs disent, ah oui, lui il est bon. Ah ouais, ça il va faire, il va me tuer là. Puis il vient. Il regarde. Son manager dit, en français. Il dit, j'ai oublié. Il a vu son image sur sa caméra. Il dit, aïe. Voilà, grand écran comme ça, ses narines sont dessus. Il a oublié. Il vient derrière. Il dit au manager, Yasua. Les chansons. On chantait quoi? Son manager s'est dit, souffrira. Il a pris. Oh, souffrir en baoulé, c'est un fédé. Il a oublié qu'il était un concours francophone. On verra ce qu'on fait. Baba Yasua, on verra. Son manager dit, hé, français. Il dit, hé, mais où la fissio? J'ai souffri. Il a dit, j'ai souffri. Il ouvre les yeux, la salle est vide. Et il va devant un plan
en fuyant là, les autres ont fui la salle. Pour lui, le blanc est fin. Oh, c'est un blanc handicapé qui a perdu ses béquilles. Non, le blanc assis. Et il vient devant le blanc. Alors, mon frère, comment t'as trouvé mon musique? Le blanc derrière comme ça. T'as foutu quoi de bon, toi? Dis-moi un peu, qu'est-ce que t'as fait de bon? T'as foutu le bordel, toi. C'est parce qu'on m'a piqué mes béquilles. Hein.